mercredi après-midi, le 30 avril, il est midi, préparation de la patrouille des glaciers 2014, le temps, Mossad, les rues vides, il a neigé en dessus de 2000 mètres, 50 cm à 3000 mètres et 70 cm à 3008. Je vais vous faire découvrir le team des vainqueurs. Voilà. Alors nous avons Manu, dit les doigts gelés, Stéphane, le roi du rouge, Marc-Antoine, le chef de l'UPA, la femme, Cédric, le roi de la fourchette, et le chef de patrouille des vainqueurs, avec le point bleu, Olivier, avec le point bleu, et Laurent, votre serviteur. Il est 5h15, mercredi après-midi. Nous sommes dans le départ, au départ, qui va partir demain matin à 6h30. Donc maintenant il est 17h30 et on va partir à 6h30. Vous voyez le ciel bouché. Le soleil devrait venir cette nuit. D'accord, mettez les lunettes demain matin. Le départ et la première montée, bien raide, pour une montée de 900 mètres. C'est pas beau ça? Il y en a du monde! Oh là là, il y en a du monde! Viens voir ça, ça c'est plein et c'est qu'une première fournée! Et puis ici, c'est qui? C'est qui? Qui c'est? Qui c'est qui se cache? Coucou! On a fixé des cordes pour vous aider à cette ascension. On arrive bientôt à la fin. Rosa Blanche, Col de la Chaux. Le parcours de la Rosa Blanche jusqu'au Col de la Chaux peut alors être franchi normalement à ski. Signalé jusqu'à la station de Médran. Il est strictement interdit de descendre sous le télécabine. Bon, ben alors la météo, comment? Parfait. Magnifique, grand soleil. Parfait, t'as vu ce mont fort là-haut? Là, c'est que... Là, l'arrivée du mont fort. C'est pas beau ça, hein? C'est pas magique ça, hein? Voilà, Rosa Blanche.
Alors, vous dites coucou ? Vous dites coucou ? Bravo ! On voit quoi ? Le col de la Chaux. Ton papa est au col de Momagne. Papa, dis coucou à la caméra. Montrer que c'est vrai qu'il y en a du soleil. Il y en a du soleil. Hein? Voilà. Bien partout, hein, les oreilles, oublie pas. Trou de nez. C'est bon. En même temps, on voit les autres qui se préparent. Puis on va pouvoir comparer avec les nôtres. Voilà. Ans, je suis passé là, facile quoi. Oh, Rio, c'est paillettes, c'est la fête. Trio là, choc. Hein? Ouais, le trio choc. On est fin prêt. On est fin prêt pour le ravitaillement. Là. Ouais, ouais, le ravitaillement. Alors Manuel, Olivier, c'est la classe. Et Laurent. Voilà. J'ai entendu. Voilà. On pousse dedans. Hein. Non, les toits. Laurent. Voilà. Olivier, oh, c'est des petits gants, il a des petits gants. Ah, il a des petits gants, Olivier. Ah, Olivier. Oh là 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 là. Ouais. Et... tiède, sans sucre. Il est plus très tiède. Hein. Ouais. J'ai de l'eau chaude si jamais. Ah ouais. Plus de monde à Albon. Ouais, il voulait pas tellement. Il est plus très tiède. Ensuite, là, c'est remplir jusqu'à. Ah, là, merci. Donc là, pouf. Voilà. Qu'est-ce qu'ils sont exigeants? Donc ça c'était Laurent, Olivier et du dentifrice et un petit commentaire. Non, juste des signes du morse. Poudre de perlimpinpin. Ça que le sac est bleu. La drogue. On va quand même prendre nos voisins. Leur ravitaillement. Ça paraît presque un peu plus sain. Ça me paraît presque un peu plus sain, votre ravitaillement à vous, quoi. Avec quand même une petite malvoisie, hein. Oui, quand même. Voilà. Par rapport à ça, là, hein, mais c'est vous qui avez choisi en même temps. Hein. Ah, donc, c'est qu'on choisit, hein. Voilà.
On vous attend. Bravo les champions. On vous attend. Bravo les champions. Donc en fait, pour dire où on en est, c'est que Cédric a passé la barma. Et puis, enfin, Cédric, Stéphane et puis Marc-Antoine. Ouais, on attend impatiemment les autres. Voilà, qui doivent arriver incessamment sous peu. Voilà, ici même, avec leur ravitaillement. Hein, qu'ils ont choisi par rapport à ça, je rappelle. Laurent ! Allez, 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 allez ! Wouhou ! C'est ton dernier. Valérie ! Ouais ! Olivier, je t'aime ! Super ! Manu ! Laurent, je t'aime ! Manu, je t'aime ! Nous aussi. Vous lancez tout ce que vous voulez. Et Laurent, il avance, Manu. Hop. Merci pour le bon temps. Et le temps, t'es magnifique. Ah hein. Ouais, on a... Mais vous avez eu de l'avance avant, puis maintenant vous avez perdu un peu. Allez, la descente est excellente, hein, là. Tiens, lance tout, on ramasse. Mais elle est bonne, ça. Allez, là. Ligon, j'ai pas besoin, Ligon, j'ai pas besoin. Tiens. Hop, merci. Ligon, pas. Non. D'accord. Laurent, on mange un truc. C'est bon? L'idée tour. Ouais, bravo, ouais, bravo, 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 nickel, nickel, nickel. Et la neige, c'est nickel là, jusqu'au col, hein, le moment que c'est magnifique. Hein. Ouais, bravo, allez-y, bravo, hein, bravo, bravo, Olivier, presque, Manu, c'est bueno. Ouais, il est bon. Vous êtes merci, bon. Merci, ravitailleux. Allez, hop, yeah. On veut plus vous voir. Yeah! Plus beaux fesses. Laurent, c'est bon, Manu. Ça va? Allez. Bravo! Bravo, allez loin. Bravo! Yeah! Thank you.
là. Bravo. À fond. Doucement. Sommet de la Rosa. Sans où? Ruinette. Ruinette. Ouais. Bon, on a chaud. On est descendu là. Juste piste et neige. Cédric. Comme ça. Cédric, il arrive à la table. Ah, mais c'est ça que je voulais savoir. Ah ouais. Cédric, il va arriver voilà. À la réserve. Donc, c'est là qu'on réceptionne le ravitaillement de Cédric. Puis ça, c'est pour Stéphane. Ouais, c'est pour les deux, les ah, trois. Ah ouais, là. C'est pour les trois, voilà. Parce que ça, c'est un bout de poubelle de l'équipe d'avant, en fait. Ouais, ils sont ruinés, tu dois passer les ruinés. Alors, cette descente. Alors, cette descente, il y a beaucoup de monde. Ah ouais? Dépassement à gauche, à droite, trafic arrière, laisser la place. Donc, pas pris de risque. T'as bien fait. Mais plaisir. Ah oui, voilà. Plaisir. Chut. Plaisir, grand plaisir. Grand plaisir. Hein? Non. Non, non. Non, on n'a pas le droit d'aller demain. Non, non, non. Bon, bah, de toute façon, s'il s'arrête au milieu, on a le temps de leur apporter le, deux bouteilles de coca. Hein. Bon, alors, ils arrivent dans combien de temps, là? Bravo. Bon, il y a un souci, là, on n'est pas d'accord. Moi, je suis... Sur l'emplacement du ravitaillement. Mais bon, je vous montre, hein, c'est pas très long. C'est parce que, hop, les gens avec les longs, ils arrivent ouais. Vite. Mais oui, c'est bon. Mais eux, ils arrivent tranquilles. Ici, il n'y a pas pris de la montée. Non, ils ne sont pas encore à la Rosa Blanche. Mais ils arrivent tranquilles. Hein. Ils ne sont pas encore à la Rosa Blanche. Allez, bravo. Hop, 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 hop. Je suis le petit pompon. Et tu les vois où ils sont? Ah, ils sont en maître. Ouais! Hé, hey, Marc-Antoine! Allez! Et ta bouteille de coca, Cédric Claudie! Salut! Salut! Salut. Youhou! Tiens! Allez! On a reconnu le style à la descente. Ouais. Ouais, super skieur. Patrouilleur. Magnifique. Chef technique patrouilleur. Hein. Nickel, belle. Oui, case. Hein. Oh, ils sont en bout derrière. Hein. En bout bon. Derrière. Alors, on peut contempler. Je suis hein? Dégelé. C'est vrai? Yeah, trop fort. Yeah. Ah. Il y a plusieurs choses à gérer. Ouais, il y a Cédric, il a pris une variante à la montée de la Rosa Blanche. Quand j'ai suivi une trace classique, il faisait des zigzags, ils se sont crevés pour rien. Ah. C'est en deuxième. Hein? Manu. Manu est deuxième. Ouais? Ouais. Super. Mais il était malade, il a un bronchite. Ouais. Ah, dommage, parce que ils ont dû tirer le premier radillon. Puis ces conditions, juste tip-top. Alors écoute, que toi, au début de semaine, le temps, puis aujourd'hui, je n'y croyais pas. On est béni de Dieu. Et hier soir, tu crois pas que c'était... Viens, je te fais un bec. Félicitations. Tu veux pas mon bec? Si, si, attends. Salut. Yeah, verbe toute fraîche. Très bien, bravo. Ouais. Youhou. On peut quand même contempler l'uniforme. Non. Face, dos. Stéphane, coca. 15, 18. Ouais, Stéphane. Youhou. 89. Ils sont deuxième pour le moment. 89. 89. Mais ils ont fait... Manuel était malade. Je toute la première montée à la branche. En plus ah, tu prends la bouteille. Allez, hop. Tu me donnes ta gourde alors. Tu me donnes la gourde.
Eh mais ce casque, t'as vu ce casque? Ah ouais là. J'ai jamais vu un casque pareil, magnifique. Et dans les conditions, c'était magnifique. Oh la poutre qui est sur glace. Ah, c'était magnifique. Splendide. Voilà. On a tout le feu. Vous avez liquidé tout dessus. Hein? Notre petit poussin. Tout est dans la boîte. C'est à l'extérieur. Il m'a juste deux décis dans la pipette là. Ah, sont les bulles. Merci. T'es pas venu là, Lien, cette année? Non. Non. Non, pas cette année. Peut-être l'année prochaine. C'est bon, plus personne là. Pardon. Les chefs, ils se créent en fréchement. Non, mais il y a tout le temps tout qui tombe en même temps. Alors. Faire des choix. Ouais, non, ça sent clair. Rolf, je te conseille quelque chose. Allez, bonne montée. Merci. Coucou. Bonne montée. À tout à l'heure. Bonne montée. Bravo. Ciao. C'est bon ça. Qui est bon. C'est du petit lait. C'est bon, prête à dans ton sac parce que hein? Moi j'ai tout ramassé le plat. Je mets là-bas. Ouais, tu peux, ouais, ouais. Eh, merci d'être venu là. Merci d'être venu. Bah, avec plaisir. Mais non, que du bonheur. Bientôt fini, zut alors. Ouais, mais. Eh, hey, Steph, allez, zou. Voilà. Quelques bonnes idées du parcours. Petite fondue. Ouais. Thank you.
Olivier, ça va ? Il m'a dit, non, je vais aller à Libourne. Je suis à la ficelle, mon dossier. Cédric était bloqué avec ma tête. Comment elle a monté la Rosalie ? Bien, merci. J'ai fait la trace. Raphaël, ça va ? Oui. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je sais pas. Hein, mais t'es venu voir quoi ? Toi. Mais on est où ici ? Dans quel village ? Je sais pas. On est, mais c'est quoi les jeux ? C'est quoi cette course ? La course des pots de phoque. Des patrons des glaciers ? Ah bah alors. T'es content ? Oui. Ah cool alors. Alors merci beaucoup. Il est 1h et nous allons fêter la victoire. Car nous venons de gagner la patrouille des glaciers 2014. Bravo à l'équipe Favre, Favre, Favre. Et voilà la mise des prix pour la deuxième année consécutive. Ils sont premiers. La patrouille numéro 1613, temps de course 4 heures, 9 minutes 19 secondes, UPA 1. Alors, comme ils s'appellent tous Favre, je me permettrai Olivier, Laurent et Manuel Favre.